Ce Retro & Magic est placé sous le signe du romantisme et dédié à tous ces aventuriers à la recherche du trésor le plus élusif et le plus précieux qui soit, l'amour avec un grand A. Toi, téléspectateur, si tu es seul devant ta télé, ne désespère pas et écoute plutôt les conseils avisés prodigués par Larry Laffer. Car après tout, si un abo dégarni en costume de polyester blanc portant gourmette et chaîne en or peut trouver l'amour, alors tout est possible. En 1987, en plein boom du jeu d'aventure graphique, Sierra décide de réaliser un remake de son seul jeu d'aventure en mode texte, sorti en 1981, Soft Porn Adventure. C'est le designer et programmeur Al Love qui chaperonne le projet de remake de ce titre qui, en son temps, avait marqué les esprits avec sa thématique adulte et mature. Soft Porn mettait en scène un protagoniste anonyme et invisible, mais le remake étant une aventure graphique, Al Love dut donner un visage au héros de cette quête coquine. C'est ainsi que naît Larry Laffer, loser magnifique et éternel has-been. Amateur d'allitération en tout genre, Al Love décide de nommer le jeu « Les jours shoot Larry in the land of the lounge lizards ». Dans ce premier épisode de la saga, Larry se rend dans la ville du péché, Lost Wages, en espérant enfin perdre sa virginité. Et oui, à 40 ans, Larry est toujours puceau et compte bien y remédier. Commence ainsi une odyssée nocturne où Larry ira de bar malfamé en casino pouilleux, le tout joué intégralement au clavier, les jeux d'aventure Sierra n'ayant à l'époque pas ouvert leurs draps à la révolution point and click. Le joueur doit donc toujours taper ses actions comme à l'époque des fictions interactives, et Al Love avait apporté un soin tout particulier à anticiper les idées tordues des joueurs et à prévoir des réponses spécifiques. Comme dans tous les jeux Sierra de l'époque, il était possible de mourir très souvent, par exemple en essayant de traverser la route, en s'aventurant dans une allée sombre, ou en n'utilisant pas de préservatif avant de visiter une prostituée. Ça en serait presque éducatif. Si Les Jours Shoot Larry suit un déroulement très similaire à celui de Soft Porn, Al Love s'est véritablement approprié le jeu, et son humour unique transparaît tout au long du titre, notamment au travers des commentaires caustiques du narrateur. Petite note amusante, le jeu commençait avec un questionnaire supposé détecter les enfants qui tenteraient de lancer le jeu en douce. Mais la plupart des questions sont tellement ancrées dans les années 80 et la culture purement américaine qu'il est quasi impossible d'y répondre aujourd'hui sans chercher une anti-sèche sur le net. Les jours sous Larry ayant rencontré un succès planétaire, Al Love se met au travail sur la suite des aventures de Larry. Alors que notre donjon du dimanche croyait enfin avoir trouvé le grand amour auprès de la belle Eve, il doit rapidement se rendre à l'évidence. Plan d'un soir ne veut pas dire grand amour, et Eve ne tient pas franchement à le revoir après cette fameuse nuit à Lost Wages. Larry se retrouve donc à nouveau seul et désœuvré. Après avoir gagné à tourner ménage, Larry va se retrouver confronté au maléfique docteur Nonuki, qui ourdit des plans machiavéliques sur l'île Pas ce soir. Si le gameplay n'a pas changé, le ton de Larry 2 est très édulcoré par rapport à celui du premier épisode, qui avait choqué quelques âmes prudes. Heureusement, l'humour d'Al Love est toujours mouche et il s'amuse cette fois-ci à parodier les clichés des films d'espionnage et d'aventure, à l'image de son génie du mal qui possède une base secrète au cœur du volcan d'une île paradisiaque, entourée de créatures de rêve courvêtues. Larry a définitivement la poisse. Marié à la belle Kalalao, une sublime vainée de l'île Pas ce soir, notre aventurier de l'amour pensait couler des jours heureux sur l'île tropicale. Mais voilà, les bonnes choses ne durent jamais éternellement. Non seulement Pas ce soir connaît une phase d'urbanisation aussi sauvage que rapide, mais en plus Larry se fait à nouveau jeter, son épouse le quittant, pour une femme. Histoire d'enfoncer le clou, le patron de Larry, qui n'est autre que son beau-père, le flanque à la porte dans la foulée. Qu'à cela ne tienne, malgré ce petit coup de mou, le Laffer s'endurcit rapidement et repart en chasse. À certains moments du jeu, le joueur pourra se glisser dans la peau de Patty la Passion, une jolie pianiste qui pourrait bien être celle que Larry attendait. Al Love avait imaginé Larry 3 comme la conclusion de la saga. Lorsque Sierra décide de relancer la série quelques années plus tard, plutôt que d'expliquer comment Larry s'est à nouveau retrouvé célibataire, Al Love prendra le parti de nommer le nouvel épisode Les Jours Shoot Larry 5, comme s'il y avait eu un épisode 4 entre les deux. Cet épisode 4 fictif fera l'objet de multiples blagues et références dans les jeux vidéo Sierra. Au début des années 90, Sierra embrasse enfin le contrôle à la souris et décide de réaliser des versions point and click de ses grands classiques, avec des graphismes refaits pour l'occasion en VGA. C'est ainsi qu'une nouvelle version du premier Les Jours Shoot Larry sort en 1991. Le déroulement du jeu est en tout point identique et l'humour n'a pas changé d'un poil plus bien. Bref, c'est certainement la version la plus accessible de ce grand classique du jeu vidéo gentiment coquin. En 1991 toujours, sort Les Jours Shoot Larry 5, qui comme on l'a vu se déroule après un hypothétique quatrième épisode.
Larry et Patty, bien que séparés, sont à nouveau les protagonistes du jeu, et la narration alterne toujours entre le pro du polyester et la plantureuse pianiste. Larry est responsable de la bandothèque d'une maison de production spécialiste en télépoubelle. Son physique disgracieux lui vaut d'être sélectionné pour auditionner trois jeunes femmes pour un futur show télé. L'idée des studios étant de trouver la pire nymphomane d'Amérique capable d'être attirée par un type comme Larry, ce qui ne manquera pas d'enflammer les fantasmes du téléspectateur moyen pas tellement plus gâté par la nature. Sans le savoir, Larry est en fait un pion dans le plan du maléfique Mr. Big, un mafieux qui cherche à redresser le marché du porno en inondant les ondes de télétrash et de rap vulgaire. De son côté, la belle Patty est recrutée par le FBI pour s'infiltrer chez les mafieux et enquêter sur les manigances de Big. Entièrement joué à la souris, Larry 5 marque un tournant important pour les jeux d'aventure Sierra, car c'est la première fois qu'il est impossible de mourir dans un jeu de l'éditeur. Il est toutefois considéré comme l'un des épisodes les moins réussis de la série. On sent qu'Al Love travaille sur commande et n'était pas très inspiré. Larry revient en solo en 1993 dans une nouvelle aventure, intitulée Shape Up or Sleep Out. Le principe est toujours le même, conquérir une série de séduisantes demoiselles, chacune donnant à Larry un objet nécessaire pour atteindre la babe finale, en espérant que cette fois, ce soit la bonne. Dans Les Jours Sous Larry 6, ce ne sont pas moins de 9 gentes dames que Larry devra séduire, sachant qu'évidemment rien ne se passe jamais comme notre nabo machoman l'aurait espéré. Et oui, loser un jour, loser toujours. Cette fois-ci, Larry participe au show télévisé Étalon et gagne un séjour au centre de remise en forme La Costa Lota, évidemment peuplé d'affolantes jeunes femmes en manque d'affection. Au fond, si l'on peut reprocher quelque chose à Larry 6, c'est de tomber dans la routine. Plus réussi que l'épisode précédent, Larry 6 est d'abord sorti en version disquette et en VGA, avant de ressortir en CD-ROM dans une version au graphisme en SVGA et au dialogue intégralement doublé. Notons également qu'Al Love, non content d'avoir conçu et écrit le jeu, joue également du saxophone sur la bande originale. Quel homme! Passer une nuit avec toi laisse largement le temps de réfléchir. Je ne crois pas à cette connerie de philosophie New Age. Ce qui compte vraiment, c'est l'argent. Comme d'habitude, le bonheur de Larry n'aura pas duré. On le retrouve menotté à un lit en feu dans la plus haute chambre de la Costa Lota. Après en avoir échappé de justesse, Larry trouve un billet pour participer à la croisière de la plantureuse capitaine Bellecuisse. Je suis le capitaine Bellecuisse. À bord du luxueux paquebot, un concours est organisé, le gagnant obtenant l'honneur de partager le lit du capitaine pendant une semaine. Évidemment, Larry ne saurait laisser passer une occasion pareille, et ce sera au joueur de trouver comment remporter les différentes épreuves. C'est que l'ami Larry vire un peu au vieux cochon au fil des épisodes, et le romantisme dans tout ça. Voulez-vous que je vous enduise le dos d'écran solaire au tapis? Non, je viens juste d'en appliquer. Et dommage que vous n'arriviez que maintenant. J'ai eu du mal à m'en mettre sur le milieu du dos. Les Jours Sous Larry 7 reprend la formule de Larry 6, unité de lieu et multitude de filles. Dis-moi, c'est un livre de bibliothèque dans ta poche? Ou est-ce que tu es tout simplement content de me voir? Le jeu propose désormais des graphismes cartoon très réussis, ainsi qu'une interface qui combine l'accessibilité du point and click et la créativité offerte par les escapades textuelles de jadis. En effet, il est possible à tout moment de taper n'importe quelle action, ce qui génère parfois des résultats surprenants. Tu aimes la bonne saucisse, n'est-ce pas Larry? De nombreux mini-jeux sont également présents, à commencer par Où est Vibro, qui consiste à chercher dans les décors la présence de... Enfin, vous avez compris. Particulièrement drôle et très fun, Love for Sale est à classer parmi les meilleurs épisodes de Larry et très probablement l'un des meilleurs jeux d'aventure Sierra. La série aurait dû se poursuivre avec un épisode baptisé Lost in Space, dans lequel Larry aurait passé le cap de la 3D. Malheureusement, le projet fut annulé et seul un test d'animation demeure pour imaginer la direction artistique qu'aurait pu prendre le titre. Après le rachat de Sierra par Vivendi Universal, de nouveaux jeux estampillés Larry virent le jour, sans le concours d'Al Love et sans la qualité et l'humour qui avaient fait le succès de la série jusque-là. Larry devrait faire son vrai grand retour en 2012 avec un nouveau remake de sa première aventure, cette fois-ci en 2D HD.